C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de vous retrouver les vendredis soirs lorsqu'il sonne très exactement 21h pour le partage des connaissances spirituelles et ésotériques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre émission spirituelle Au-delà du réel. Et je sais que vous êtes déjà nombreux à prendre ce rendez-vous de connaissances spirituelles. Le thème que nous vous proposons ce soir s'intitule « Les mystères autour de la Lune ». Comment en profiter ? Connaissez-vous cet ancien proverbe qui dit « Le soleil voit votre corps, la lune voit votre âme ». Ce proverbe décrit parfaitement la relation entre l'esprit humain avec nos astres terrestres, la lune et le soleil. Souvent, on dit qu'on se tourne vers le soleil pour qu'il nous apporte de la clarté et qu'il nous réchauffe, tandis que la lune nous accompagne dans les moments les plus sombres. Tout comme la lune, nous traversons chacun et chacune des phases dans notre vie à travers des cycles. Mais quelles sont les significations spirituelles de la Lune? Nous en parlerons ce soir avec notre invité. Pour co-animer cette émission, je suis en plateau avec Aristide Kanosso. Aristide, bonsoir. Bonsoir Ulrich Assogbakwe, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, auditeurs et internautes qui nous reçoivent en ce moment. Auditeurs, c'est-à-dire ceux-là qui nous reçoivent sur la 105.7 Golf FM Africa et internautes, ceux qui nous reçoivent sur notre page YouTube Golf Media en ce moment. Notre invité du jour, il n'est plus à présenter au regard de ses années d'expérience dans le milieu spirituel. Il va par le nom de Maître Dao, voyant médium, maître spirituel. Eh bien, comme le disait Ulrich, le thème du jour parle des mystères autour de la Lune, comment en profiter. Alors, Maître Dao, bonsoir. Que les bénédictions, les quatre éléments et la lumière soient. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Dans la tradition africaine, on va déjà commencer. Hein? Quelle place occupe la Lune? Mais là-dedans, là, d'abord, je salue les téléspirituels. Je salue tous nos téléspectateurs de Golf TV Africa. Notre émission Au-delà du réel a commencé encore et nous sommes tous heureux d'être avec vous. D'abord, le mystère qui est autour de la Lune dans l'Afrique ou dans notre tradition africaine, vous devez déjà comprendre que la Lune joue un rôle très important dans la vie africaine. Parce qu'à la naissance, les enfants, pour les rituels qu'on a l'habitude de faire, on présentait les enfants à la Lune. On présentait les enfants à la Lune pour que l'enfant puisse être activé dans sa famille. Parce que le nom de famille que vous portez est gouverné par la Lune, le Soleil. Donc ce nom de famille a des impacts spirituels sur vous, et sur votre famille, et sur vous-même. Donc vous devez comprendre que chacun est né de quelque part, il est venu dans cette famille. Donc il faut qu'on vous présente à Lune, en principe, pour faire hériter les rituels dans votre famille, pour que la Lune vous accepte, et vous donne l'onction d'exister et de faire partie de la vie. Donc la Lune n'est pas quelque chose à négliger dans la vie familiale. Et quand notre co-animateur disait tout à l'heure que la Lune voit les astres, c'est trop fort. C'est pour les astrologues, ceux qui font de l'astrologie. Les astres, c'est quoi? C'est la planète Lune. Et il y a des trucs qui gravitent autour de la Lune. Des électrons qui gravitent autour de la Lune. Ça, c'est encore pas des astres. Et les astres, on dit du bélier jusqu'au truc là, Sagittaire. Ça joue un rôle. Et vous allez voir que la Lune, ce qu'on appelle les astrologues regardent la Lune, ils observent la Lune pour présenter les mystères, présenter les consultations lunaires. Et c'est juste au premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier qu'ils arrivent à identifier ce que la Lune joue comme rôle dans la vie. Mais comme l'astrologie n'a pas trop marché en France, ça n'a pas marché dans l'Occident, mais les gens ont emporté ça vers nous ici. Et aujourd'hui, d'autres personnes l'utilisent pour orienter des humains sur la voie spirituelle. Sinon, moi, Dao, je pense que de façon traditionnelle, la Lune joue un rôle très capital dans la vie africaine, dans la vie spirituelle béninoise et africaine. Donc, même dans le monde aussi, hein, parce que ce n'est pas seulement l'Afrique qui voit le monde, mais la Lune. Hein, la Lune joue un rôle important dans le monde entier. Aux États-Unis, les gens voient la Lune. En Chine, les gens voient la Lune. À Londres, les gens voient la Lune. À Dubaï, n'importe où vous êtes, la Lune est une planète que tout le monde peut voir. Comme le soleil aussi éclaire le Bénin, ça éclaire la Côte d'Ivoire, ça éclaire les États-Unis, ça éclaire Londres. Le soleil aussi joue un rôle très important. Mais la Lune et le soleil, ils ont aussi quelque chose de très important qu'on va expliquer tout à l'heure. Parce que c'est le soleil qui donne la vie à la Lune. C'est le soleil qui permet à la Lune d'exister parce que la Lune profite de l'énergie spirituelle du soleil pour pouvoir aussi rayonner.
au moment opportun, parce que l'énergie de la lune ne brille pas comme l'air du soleil. Et comme le soleil donne vie à la lune, les deux fonctionnent en synergie. Et le soleil laisse toujours place à la lune de rayer. C'est comme ça aussi la vie. Nous sommes autour de nous, nous devons laisser place à l'autre d'exister aussi. On ne doit pas rayer toute une fois, tout au long de sa vie. Et il faut voir que l'univers a déjà planifié tout. Ce sont les humains qui ne savent pas comment s'ordonner et ils se font la peau négative. Sinon, regardez ces deux grandes planètes, la Lune et le Soleil. La Lune vient la nuit, le Soleil lui veille du matin jusqu'au soir, il disparaît, la Lune réapparaît. Donc nous devons déjà comprendre les synergies de la vie, que la vie est ainsi faite. Personne n'est éternel, nous sommes tous temporaires et c'est nos œuvres qui vont faire parler de nous, que les bénédictions soient. Maître Dao, tout à l'heure dans vos explications, vous avez parlé de ce rituel qui s'observe dans la tradition africaine, notamment dans la culture béninoise, la présentation d'un nouveau-né à la lune. Mais Dao, on a, en tout cas moi particulièrement, je n'ai jamais compris ce rituel. Quels sont les bienfaits de ce rituel? Quelle est l'importance de ce rituel de présenter un nouveau-né à la lune? Quand on présente un nouveau-né à la lune, un, on active son destin. Deux, aucun esprit ne contrôle son âme et son corps. Trois. Vous voulez parler des esprits maléfiques. Exactement. Aucun esprit négatif, démoniaque, ne touche à son âme et son corps. Quatre. L'enfant est rayonné, c'est que son aura rayonne, son aura s'éveille. Il n'a plus de problème, il n'a aucun plus de situation spirituelle dans sa vie. Parce que ces rituels, ce sont des rituels pour activer la vie d'une personne. Et la lune dit, je suis témoin. Regardez dans Finayon, on a présenté Finayon à la lune. Et la famille applaudissait, tout le monde a applaudi. Et le lendemain, on lui a donné le sel, on lui a donné le miel et on lui a fait goûter le truc de la vie. C'est comme ça. Dans notre tradition, en fait, aujourd'hui, la religion importée a détruit la tradition. Ou en train de détruire notre tradition. Parce que la religion importée dit que tout ça, là, c'est du folklore, que c'est du bluff, c'est du faux, c'est du... Non, que Jésus nous a déjà sauvés. Jésus a déjà sauvé, c'est vrai. Jésus va tout sauver, c'est vrai. Mais la tradition... Celui qui perd la tradition perd son identité. Celui qui perd la tradition perd sa vie. Celui qui parle de Jésus, c'est un prêtre. Il a quitté une famille. Et si les rituels qu'on lui a faits ne sont pas à la hauteur, il ne peut pas rayonner en tant que prêtre dans son diocèse. Parce qu'il s'agit des fidèles qui vont recevoir des charges de lui. Quand on parle d'un imam, c'est quelqu'un qui est né dans une famille et qu'on doit lui faire ses rituels de la lune. Et si on ne lui faisait pas, ou bien il dit que non, Allah a déjà tout fait. Allah regarde la lune, Allah connaît la lune. Et le symbole des musulmans, c'est couper de lune. C'est trop fort. C'est pour ça que vous allez voir que les musulmans sont plus riches que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils respectent les rituels de la lune. Mais ils vénèrent la terre. Nous allons venir à Allah tout à l'heure. Vous avez parlé dans une autre préoccupation. Les bienfaits. Les bienfaits de la lune sont multiples. La lune, présenter un enfant à la lune, permet à l'enfant d'être heureux, de subir un sort spirituel, de subir un élan positif, de voir un parcours parfait. Il n'a jamais de problème dans sa vie. Donc, l'enfant qu'on ne présente pas à la lune manque de certaines choses spirituelles. Il n'a plus ce qu'on ne veut avoir. Il n'est plus heureux comme on doit être parce que moi, j'ai été présenté à la lune. Mes enfants ont été présentés à la lune. Ma femme a été présentée à la lune. Et je vois notre vie. C'est comme ça qu'on demande à tous ceux qui nous entourent, faites tout possible pour faire la présenter à la lune. Et c'est simple comme bonjour. Prenez votre bébé. À la naissance, monsieur, pendant les 7 ou 9 jours, si c'est une fille, si c'est 7 jours, c'est un garçon 9 jours, mais présentez l'enfant avec une papille blanche. La lune, voici mon enfant que je t'offre. Protège-le, donne-lui la gloire. Je te invoque ici maintenant parce que tu es la puissance de la puissance, la lumière de la lumière. Fais que tout ce que la lune peut donner à un enfant, cet enfant est ça. Tu mets les énergies, les égrégores, tu formes des vibrations, ton enfant va connaître ce qu'on appelle le succès. C'est comme ça qu'on doit aussi présenter l'enfant au soleil. Mais pas soleil du midi, mais soleil du matin. C'est soleil du matin, vous voyez comment c'est doux. Soleil du soir, vous voyez comment c'est doux. C'est comme ça. Il faut présenter l'enfant. Au lever du soleil, il faut présenter. Les deux rituels sont importants pour qu'un enfant ne soit pas touché par un sort négatif, ne soit pas... Vous voyez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est trop, c'est horrible. Il y a des mauvais esprits qui ont appris à assaut le monde. Il y a beaucoup de personnes qui manipulent la vie humaine. Alors que si on présentait l'enfant à ces deux planètes, rien de négatif ne touche l'enfant. Et on apprend l'enfant à observer le feu. On apprend l'enfant à observer le feu en allumant une bougie. Concentre-toi. Reste concentré. Regarde le feu. Le feu a combien de couleurs?
il va te dire jaune, tu vas dire non, regarde dedans, il y a bleu, il faut regarder dedans, il y a rose, c'est comme ça. Le feu a trois couleurs. Le feu, regardez bien la bougie, vous avez vu la flamme a trois couleurs. Et quand la bougie est debout, c'est un humain qui est debout. La bougie représente un homme. Et sur sa tête, elle est l'étoile qui brille. C'est comme ça aussi partout. Regardez derrière les images de Jésus-Christ inventé. On voit la lune. Derrière la lune, ce n'est pas le soleil. C'est la lune qui a pris. Pourquoi? Parce que l'aura de l'homme est incarnée par la lune. Jésus a été présenté à la lune. Ils ont fait les rituels nécessaires pour que Jésus soit Jésus. Mais pourquoi nous, on refuse de faire les rituels? Pourquoi nous, on dit que Jésus sera sauvé? Jésus va quitter Jérusalem pour venir vous sauver ici. Jésus a sauvé tout le monde. Jésus, c'est un concept. C'est la foi en Jésus qui vous sauve, ce n'est pas Jésus qui sauve quelqu'un. C'est la foi en Mahomet qui sauve, ce n'est pas Mahomet qui sauve quelqu'un. C'est la foi en Gou qui vous sauve, ce n'est pas Gou qui sauve quelqu'un. C'est votre foi qui vous guide, en fait. C'est la foi qui fait que vous avez l'argent. C'est la foi qui fait que vous perdez l'argent. Parce que si tu perds la foi, tu perds l'argent. Tu as la foi, tu gagnes l'argent. Et c'est le travail bien fait qui donne un bon résultat. Donc, mes frères et sœurs, je vous en prie, si vous voulez réussir, faites les rituels et les rites de la famille et respectez les principes de la famille. Parce que c'est comme si tu dis, quand je meurs, Jésus va m'enterrer, mais tu vas pourrir. C'est la famille que tu rejetais qui va t'enterrer. Et je demande à tous ceux qui ont l'argent aujourd'hui, tous ceux qui sont richissimes aujourd'hui, tous ceux qui ont les moyens aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Aidez ceux que vous voyez. Aidez ceux qui sont autour de vous. Parce que quand tu es riche et que tu n'aides personne, quand tu seras pauvre, tu ne trouveras personne t'aider. C'est très important. C'est le principe de la lune, c'est le principe du soleil. Parce que c'est le soleil qui donne. C'est la lune qui donne. Et ils reprennent aussi. Hein. Pourquoi on dit oui, vie? Et on dit son vie. Son vie, son si vie. Bon, pour lui, il est où? Mais oui, vie, c'est le poisson que nous mangeons. Donc il faut comprendre que si vous vénérez la lune, vous aurez la gloire, la grâce, les bienfaits de la lune sont multiples. On ne peut même pas tout tester sur ce plateau. Il faut seulement comprendre que Dieu n'a pas créé la lune au hasard. Dieu n'a pas créé le soleil au hasard. Et il joue des rôles très importants dans notre vie. Et nous devons comprendre comment les appliquer et comment utiliser, comment les avoir, comment obtenir leur grâce, leur onction, leur bénédiction. Et on ne peut pas tous dire sur une émission. Avec un séminaire spirituel, on va vous expliquer les bienfaits de la lune, les bienfaits du soleil, comment pratiquer les rituels de la lune et du soleil pour avoir les bienfaits dans cette vie. C'est très important. Maître Dao, avant de laisser Aristide vous faire sa question ou ses questions, je ne sais pas, tout à l'heure dans vos explications, vous disiez que c'est vrai, la lune et le soleil sont en synergie et que ce sont les énergies du soleil qui nourrissent même la lune. Alors, pourquoi dans pratiquement beaucoup de rituels, nous voyons la présence plus de la lune que du soleil? Vous avez parlé de la présentation du nouveau départ, par exemple, à la lune. Même pour la nourrice, on lui demande, dans la tradition béninoise, bien sûr, d'éviter de voir la lune pendant un certain temps. Ça, c'est dans certaines familles, pas forcément dans toutes les familles béninoises. Elle va rester enfermée dans une chambre noire. Voilà, de ne pas voir la lune. Mais on ne lui empêche pas de voir le soleil pendant cette période. Quand vous perdez, par exemple, un parent, vous êtes une femme et que vous perdez votre mari, dans certaines familles béninoises, on vous demande d'éviter de voir la lune pendant un certain nombre de temps. Vous avez évoqué également le cas des musulmans tout à l'heure. Et donc, la présence de la lune dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, est-ce à dire que la lune a une force qu'on n'arrive pas à décrire? Un mystère. La lune, c'est un mystère. Et comme la lune est, excusez-moi le mot, la lune est faible, faible. Les énergies négatives, les personnes négatives utilisent le temps de la lune faible pour atteindre les cibles. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la lune, c'est que la lune ne réagit pas, mais le soleil réagit. Parce que le soleil, l'homme ne peut pas prendre un plat, une porcelaine blanche, capter le soleil dedans, regarder, il va vous briser les deux yeux. Mais la lune n'apparaît pas dans un plat. Faites-lui l'expérience. C'est le soleil capable de son rap de capteurs, des rayons piquants, très touchants. Mais la lune n'est pas pareille. C'est que les gens utilisent le temps de la lune pour commettre des bavures, des énergies négatives. C'est parce qu'ils ont vu que la lune a des vibrations aussi, donc ils peuvent profiter et que c'est en son temps que beaucoup de personnes arrivent à faire des rituels, ils profitent dedans pour pouvoir pénétrer les humains qui sont faibles. C'est pourquoi les gens disent, au temps de la lune, il faut savoir raison garder pour ne pas que les gens profitent par là pour vous faire du mal. Donc il faut savoir que la lune n'est pas offensive,
Mais la lune fait profiter des énergies du bonheur. C'est comme une femme qui n'allaite pas. Au temps de la lune, quand la lune va venir, il faut suspendre la feuille qu'on appelle amoma, la feuille d'amont. Vous connaissez ça, non? Mm-hmm. Feuille de fromage. Et que la personne tritique, il faut passer ça sur les seins et boire l'eau de coco, je vous jure. Au temps lunaire, elle va avoir beaucoup de... Son sein va régénérer beaucoup d'eau. Mais au temps de soleil, ça ne va pas donner. Ça va s'enlever. Ça ne va pas donner parce que le soleil, lui, vient pour aspicier. La lune vient pour produire. On entend aussi dire, Maître Daro, je ne vous apprends rien, qu'il y a des arbres dans la forêt qu'on ne coupe pas à certaines positions de... On appelle ça gilati. Les feuilles, la plante qu'on appelle gilati. Il faut couper ça la nuit, quand il y a la lune debout. Quand vous coupez ça, quand il y a soleil, vous allez couper. Le lendemain, vous revenez, il est encore debout, assis. Déjà debout, quoi. Ce qui était couché, vous allez le revoir debout. C'est ça qu'on fait pour faire aux chauffeurs qui font beaucoup d'accidents. On en fait, on prend l'écorce et on fait avec la feuille et on fait ça comme talisman. Quand le chauffeur prend et garde ça sur lui, n'importe où il passe et il fait un accident, vous allez le voir toujours debout et il va se retrouver là où il ne sait pas. Parce qu'en principe, nous avons beaucoup de choses que c'est au temps lunaire qu'on fait ces rituels. Et on a beaucoup de rituels qu'on fait aux gens et c'est dans la lune. C'est quand il y a la lune qui apparaît qu'on fait profiter ces énergies de lune à la personne. C'est comme on veut te faire un rituel d'argent, excusez-moi. Pas d'argent pour que tu sois riche, mais l'étude de chance pour que... Mais c'est au temps de lune qu'on va exposer et quand le soleil va vouloir apparaître, on l'enlève. Quand on te dit de mettre l'eau avec feuille d'hysope, avec kessou sous la rosée, c'est pourquoi? C'est pour que les rayons de lune puissent apparaître dedans, pour que tu puisses profiter de la lumière et aussi la rosée lunaire dedans. Donc, il y a beaucoup de choses que la lune fait, il y a beaucoup de choses que la lune peut vous faire profiter, mais on ne connaît pas. On ne va pas à l'école de la vie. On ne découvre pas qui nous sommes. On ne sait pas sur quelle énergie je suis. Je suis gouverné par le soleil, je suis gouverné par la lune. Et voilà, on ne fait pas. Et on vit comme ça jusqu'à on meurt. Après, on va aller voir Dieu. Dieu, nous sommes là. Ton fils est venu hein, sur la terre. J'ai eu 1 milliard. J'ai eu 900 millions. J'ai laissé ça là-bas. Mais Jésus, Dieu va te demander. Je t'ai envoyé sur la terre pour que tu puisses avoir l'argent, mais pour que tu puisses réaliser ma volonté. Il faut chercher à découvrir qui vous êtes et savoir de quelle appartenance vous êtes. Vous êtes du soleil, vous êtes de la lune. Si vous êtes de la lune, quand est-ce que vous faites vos prières pour obtenir la grâce? Vous êtes du soleil, quand est-ce que vous faites vos prières pour avoir la grâce? Et vous saurez maintenant comment vous guider. Mais vous ne connaissez rien de tout ça. Vous faites zoo. Mais zoo, le feu va venir briller tout ce qui est ici. Il faut dire zoo sur le sorcier, lune sur le méchant. Il faut invoquer les planètes lune et le feu. Mais il faut savoir dans quelle énergie tu es. C'est pourquoi je dis parfois au pasteur, vous faites au nom de Zo, mais Zo va venir. Vous appelez le feu dans le feu sera au Bénin. Mais il faut dire feu sur le sorcier, feu sur le méchant, feu sur l'énergie négative, lune sur les démons, lune sur les mauvais esprits, lune sur les démons, les esprits démoniaques. En ce moment, l'énergie va, parce que c'est eux là, quand on les invoque, ils viennent terrasser tout ce qui est négatif. Regardez comment le tonnerre apparaît. Le tonnerre sort d'où? Le tonnerre, c'est le préfixe du soleil. Le tonnerre, c'est l'enfant qui travaille avec le soleil. Et le tonnerre, c'est le feu vivant. Quand il vient quelque part, il détruit tout. Quand on dit tonnerre rentrer dans notre panneau, c'est parce qu'on dit il y a comme tonnerre. Mais s'il y a quelque chose de négatif, un mystique qui va détruire la vie de Tis ou une grecque, le tonnerre apparaît, il enlève le truc, il détruit tout. Regardez quand on dit on met un gris-gris dans l'arbre. Quand le tonnerre arrive, il fend tout l'arbre, il enlève le gris-gris et va déposer là où il doit déposer. Ou bien si c'est une personne qui a voulu détruire l'enfant de sa co-épouse. Le tonnerre vient, il tue la personne, il enlève l'enfant de là, il le met de côté et la personne, on se rend compte que ah, c'est parce que la personne veut commettre des bavures négatives. Nous sommes gouvernés par des principes et des ordres spirituels dans ce monde. Et si tu as conscience, si ce n'est pas mon être, tu pourras avoir bénédiction de la lune et du soleil. Les musulmans ne regardent que la lune. Depuis l'Arabie Saoudite, depuis leur temple là-bas, ils regardent la lune. Ils ont des loupes pour regarder les as. Pour dire, ah, la lune est dans cette position, non. Ah, son étoile est à côté de lui. Ah, par rapport à ça, on ne peut pas parler maintenant. C'est pour ça qu'en ce moment, il commence le malou. Il ne commence pas à parler de carême. Il ne commence pas à parler de temps qu'ils vont essayer de demander pardon à Dieu. Parce que les musulmans venaient la lune à 99%. Mais les chrétiens, on ne venait rien. On venait Jésus-Christ. Il a dit à tout fait. Et Jésus n'est pas fainéant. Jésus, c'est un travailleur. On va demander aux gens d'éviter d'apprendre le fainéantisme aux gens.
Jésus est un bon travailleur. Prophète Mohamed, que la paix de Dieu soit sur lui, a montré à ses fidèles comment chercher l'argent. Mais Jésus a montré à ses fidèles que Dieu, là, c'est mon papa qui va, un jour, il viendra nous sauver tous. Mais pourquoi Mohamed n'a pas dit qu'il viendra les sauver? Il a dit chacun n'a qu'à se battre. Si tu as les moyens, il faut prendre 9 femmes et demie. Mais si tu n'as pas les moyens, il faut prendre une seule femme. Il a dit. Mais il faut travailler pour bénéficier de la lune et du soleil. Merci beaucoup, maître. Je ne vous apprends rien, vous êtes plus initié que moi. Non, du tout pas. Pour vos différents apports. Et vous avez dit que les Occidentaux ont expérimenté l'astrologie qui a échoué et qu'ils ont déporté vers nous aujourd'hui et que nous autres, nous sommes en train d'expérimenter. Au Bénin, j'ai remarqué sur vos émissions plusieurs fois que vous indexez souvent les chrétiens. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un crime de vouloir expérimenter autre chose quand on échoue dans une expérimentation initiale? Est-ce que les chrétiens parlent de l'astrologie? Non, c'est un exemple que je vous donne. Ah non, mais vous voulez me faire mais coller quelque chose. L'astrologie dont on parle... L'astrologie, c'est l'art de regarder les astres. L'art d'avoir des favoritismes des astres. Du bélier jusqu'au sagittaire, du sagittaire jusqu'à gémeaux. Mais les gens répètent ça à longueur de temps, longueur de journée. Mais ils n'ont rien en retour, en fait. Oui, au fait, la question, vous n'avez pas compris. Arrête. Je veux bien vous répondre. Posez-moi bien la question. Au fait, vous vous plaignez du fait, par exemple, que votre rêve de voir tout le Bénin vénérer la Lune ne soit pas réel, n'est-ce pas? Oui. D'accord? Alors, si ils ont déjà expérimenté cette pratique-là de vénérer la Lune de par le passé, et ils ont décidé, après avoir évalué les résultats, de changer de camp, aujourd'hui, comme les Occidentaux aussi, par exemple, dont vous donniez l'exemple il y a quelques instants, celui-là, ont aussi changé de cap. Où se situe le problème? Pourquoi est-ce que vous attardez souvent sur les chrétiens? Est-ce qu'ils vous ont empêché, par exemple, de continuer par vénérer la Lune? Les chrétiens, c'est des gens qui se font dire chrétiens, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle chrétienté. Oui, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à eux, tout simplement? Je m'intéresse à eux parce que mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple est en train d'aller derrière parce que les chrétiens font reculer encore mon peuple plus fort que la tradition africaine qui existait. Comment ils font reculer? Très bien. Il y a un dogme qui se répète tout le temps. Et au lieu de faire la promotion de là où ils se trouvent et de faire bénéficier aux fidèles, les 10 fils du Bénin ou de l'Afrique, leur tradition, mais l'importation de leur religion empêche les fidèles d'être en harmonie avec les énergies de leur peuple. Mais si vous aviez dit tantôt que... Je suis chrétien. Si vous aviez dit tantôt que c'est la foi qui sauve, c'est ce que vous aviez dit. Oui. Alors pourquoi vous leur refusez quand même d'exprimer leur foi? Mais il faut que les devanciers puissent amener les chrétiens à comprendre que votre foi doit d'abord être orientée dans votre famille. Et qu'il ne faut pas fuir les rituels et rites de votre famille. Et que ici, c'est l'ensemble de notre union qui donne l'égrégore. Si la personne a expérimenté les rituels... Donc comment vous avez su qu'il a expérimenté si non, on c'est n'en juste parle une pas. Question. C'est manque de communication qui donne l'échec de l'expérience. C'est parce qu'on ne communique pas. La religion importée a plus de moyens que la religion endogène. Pourquoi? Parce qu'on les a dit que la religion endogène, c'est satanique, c'est diabolique. Donc, tous les chrétiens ont été achetés, c'est ça? Oui, oui, on a acheté leur conscience. On ne les a pas achetés. Avec combien? Rien. À travers la parole, on les a achetés. À travers la sensibilisation, on les a achetés. Et les religions endogènes n'ont pas la parole aussi? Ils ont la parole, mais on ne les laisse pas le temps d'exposer comme les chrétiens exposent. Mais c'est ce que vous faites là, non? Je le fais, mais on ne me laisse pas le temps de bien le faire, monsieur. Mais je vous ai laissé tout le temps de parler avant de parler, vous poser la question. Parler ne veut pas régler le truc, c'est l'application. Alors, vous disiez tantôt, par exemple, que les chrétiens... Parce que moi, j'aimerais quand même qu'on fasse une clarification. Oui, on va faire ça. Regardez un peu. Oui. Quand on prend l'exemple de l'Église catholique, depuis le Vatican jusque-là, on a toujours dit que Jésus va revenir nous sauver. Mon grand-père est décédé. Jésus ne l'a pas sauvé jusqu'à... C'est son travail bien fait qu'il a donné vie. Il a donné vie à mon père. On a dit Jésus va venir sauver mon papa. Il est mort à 105 ans. Je n'ai pas vu Jésus le sauver. C'est le travail qu'il a fait jusqu'à il nous a donné vie. Je suis en train d'avoir bientôt 45 ans.
Jésus n'est pas venu me sauver jusque-là. C'est le travail bien fait qui vient que m'inviter sur l'émission ici. Donc, en fait, il faut que la religion apprend à tous ceux qui nous entourent que Jésus ne viendra pas sauver quelqu'un, mais que celui que tu mépris, c'est ton Jésus à côté. Oui, mais Dao, Aristide, très rapidement, attendez. Pour corriger quelque chose, pourquoi indexer l'Église catholique? L'Église catholique, ce n'est pas la Bible. Je commence d'abord par l'Église catholique. Après l'Église catholique, il y a protestants. C'est le jour que protestants protestaient qu'ils ont commencé par former les pasteurs, les soi-disant pasteurs qui font les boutiques dans tous les vents au nom de Jésus-Christ. Jésus ne mange pas, Jésus ne dort pas, Jésus ne crie pas, Jésus ne fait pas du bruit. Jésus, c'est un concept, en fait. C'est la foi en Jésus-Christ qui transforme. Alors, sur la base de quoi, par exemple, vous vous tenez pour dire les chrétiens qui appellent le feu, ils n'appellent pas le feu sur les esprits démoniaques, mais ils appellent le feu en l'air. Vous êtes allé faire le constat. Plusieurs fois, j'ai suivi beaucoup d'interventions des chrétiens. Ah, vous êtes allé dans les églises. Oui, je vais. Non, oui, quand je ne vais pas, tu ne vas pas savoir. Et ils disent... J'ai au moins 14 amis pasteurs. Et ils disent le feu en l'air. Ils disent le feu. En l'air, sans cibler. Regardez depuis le 1er janvier jusque-là. Qu'est-ce que le feu est en train de faire au Bénin? Donc ce sont les chrétiens. Oui, ils n'ont qu'à dire. Parce qu'ils invoquent les énergies, les égrégores qui font sortir de leur bouche, à commencer par avoir d'impact sur le pays. Ils n'ont qu'à dire le feu sur les mauvais esprits. Mais c'est ce qu'ils font. Le feu sur le sorcier, le feu sur les dangers, le feu sur le blocage, le feu sur la pauvreté. Non, ils ne font pas ça. Non, je les apprends le fouet dès l'instant où je parle. C'est ce qu'ils ont toujours quand fait. Ils veulent commencer par prier, ils n'ont qu'à dire le feu sur X ou Y. Parce que je ne voudrais pas quand même sur l'émission, les chrétiens qui nous suivent, monsieur le journaliste. C'est pourquoi je voudrais quand même qu'il y ait une clarification. Ça ne me fait parce que vous vous attardez sur les chrétiens. Vous me répétez, oui, je vous suis là. Ça ne me fait même pas plaisir d'indexer qui que ce soit dans mon émission. Voilà. Le Bénin, c'est un pays laïque. Et la laïcité nous permet d'exister, de faire parler de notre religion où nous sommes. Qui m'indexe? Personne. Je ne vais pas indexer sur quelqu'un. Mais si, dans le fond, il y a correction à apporter, pourquoi ne pas faire une proposition? Et moi, ma proposition, je demanderai à tout ce qui est église évangélique, ou bien église catholique, les gens qui font de la prière, qui ont la foi. Parlez juste des chrétiens. Des chrétiens, ils n'ont qu'à commencer par corriger le fond de la prière. Parce que si vous êtes dans un pays où vous priez pour le pays et que le pays va mal, il faut se poser la question. Est-ce que je ne participe pas au mauvais côté du bon fonctionnement de ce pays? Quand je prends l'exemple des gens de Fa, qui ont fait le Fa, ils ont dit ça tient, le doux ça tient, et ce doux veut dire qu'il y aura accident dans ce pays. J'ai dit à mon papa Kofi Aza qu'il ne fallait pas parler de l'accident. Parce que votre égrégore depuis là-bas, on dit qu'il y aura un peu de choses négatives qui vont se passer. Mais quand ils ont invoqué l'accident, depuis les racines, l'égrégore de l'accident a commencé par descendre sur nous. Et nous allons subir. Vous avez compris? Parce que c'est des gens qui manipulent les forces. Pas moi en tout cas, maître. Non, tout le monde va subir. Pourquoi? Parce que c'est eux qui manipulent les forces spirituelles. Donc ils n'ont qu'à dire, on a vu l'accident, mais ça ne se produira plus. Là, ils ont programmé et déprogrammé automatiquement. Mais quand ils programment l'accident, ils vont mettre les énergies d'accident dans le pays et l'accident va tout continuer d'exister. Donc ce qu'ils ont dit, c'est une sorte de programmation. Exactement. Donc finalement, ce n'est plus les chrétiens. Non, je parle de tout le monde, grand frère. Alors, vous savez, il y a un instant, vous disiez par exemple, parce que moi j'aimerais qu'on fasse... On dirait que vous êtes un juriste. Hein? Non, là, je voudrais quand même qu'on fasse... Vous êtes un juriste, vous êtes avocat. Non, en fait, ou bien juge. Je suis l'avocat des téléspectateurs. Ah, hein. Et les téléspectateurs, vous n'avez pas fait le droit. Hein? Je voudrais quand même que ces téléspectateurs... Oui, comprennent quelque chose. Non, puissent se sentir à l'aise en vous suivant. En fait. Oui. Je voudrais quand même que vous ayez des fans aussi bien parmi les musulmans, les chrétiens et ceux qui sont dans la religion. Oui. C'est pour cela que je voudrais vous poser ces questions. Vous avez dit qu'il y a ceux-là qui demandent à Jésus de les sauver, que Jésus ne viendra pas les sauver. Oui. Mais bien avant ça, vous avez dit par exemple qu'on fait du bois, qu'on remet à un chauffeur, d'accord, et qui peut disparaître lors d'un accident. Mais il arrive plusieurs fois que malgré ces amulettes-là, il meurt aussi. D'accord. Alors comment expliquez-vous le fait que vous avez dit votre grand-père, personne n'est venu le sauver, il est décédé. Et celui-ci aussi, il décède malgré les amis. La foi guide le monde. C'est la foi qui fait que je suis venu ici exposer ce que je vous dis. Ceux qui ont foi en ce que je dis, sinon, vont retrouver au moins quelque chose. Ceux qui n'ont pas foi vont dire, qu'est-ce qu'il raconte là, il n'a qu'à continuer. Mais moi, je suis parti à l'école de la spiritualité. Et le développement personnel nous apprend une seule chose.
sauf ta subconscience, sauf la foi en toi-même, sauf la découverte de ton nom, de ton moi intérieur, te sauvera. Et donc, pour cela, il faut surtout qu'on se... C'est que vous avez fait l'émission à ma place. Hein? Non, maître Dao, je suis... Suivez-moi d'abord. Je suggère. Vous avez parlé d'Hamlet, de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais dans la tradition africaine, on sait qu'on a des forces que nous manipulons, que nous avons des énergies que nous émettons, que nous avons des forces occultes que nous utilisons. Il y a des vibrations positives et aussi des vibrations négatives parce qu'on a parlé de la lune et du soleil. Il y a des trucs qu'on ne fait pas dans la journée. Il y a des poudres que moi je vais préparer maintenant, je ne peux pas le faire dans la journée. Il faut attendre la lune. Et c'est le cas de 22h jusqu'à 5h du matin, quand la lune régnait, qu'il faut faire cette poudre. Et le matin, tu dois enlever ça, le soleil ne doit pas toucher cette poudre. Et il faut l'utiliser la nuit pour que ça te donne ce que tu mérites. C'est pour dire quoi? Nos parents ont laissé beaucoup de recettes, beaucoup de connaissances. Mais manque de partage de connaissances et manque de foi en ce qu'ils faisaient. Les gens les ont fait cru ou fait croire. Les ont fait croire que tous ces trucs, c'est du pipeau, c'est du vent. Mais que c'est des trucs importés qui vont nous sauver. Le président de la République a demandé de consommer le local. Consommons le local. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui est importé a commencé par tuer les Béninois. Tout ce qui est importé a commencé par rendre malade les Béninois. Et qu'on dépense toute notre économie dans tout ce qui est importé. C'est comme ça que ça va venir un jour aussi. On va dire, il faut que la religion en deuxième soit mise au premier plan et les religions importées soient mises au deuxième plan. Parce que l'un ne peut promouvoir son pays en ignorant sa culture. Je ne peux jamais prétendre faire l'émission à votre place. Si j'en avais les compétences, on ne vous aurait pas invité. Alors, ce que je voudrais vous suggérer très respectueusement, c'est que nous puissions développer les atouts et les rituels qui vont avec la lune et quitte à chaque téléspectateur d'en tirer les conclusions, de savoir si la position qu'il obtient ou qu'il prend actuellement, si cette position lui convient ou s'il faut changer de position et venir vers vous. Donc tout va partir de l'explication que vous allez donner autour des avantages de la lune. Et je suggère justement qu'on reste dans ce canevas-là, au lieu plutôt qu'on laisse... Mais si on ne cherche pas les supports là-bas, comment on va soutenir l'émission? On ne parle que de la lune, ça va dans la monotonie. Mais s'il y a tant de richesses dedans, on ne devra pas manquer d'arguments pour expliquer ce qu'il y a là-dedans. Ok, posez vos questions sur la lune, je vais vous répondre. Maintenant, on va faire tac au tac. Voilà. Les questions de lune, on va répondre de lune. Voilà. Aristide Carosso, c'est vrai qu'à un certain moment, nous sommes écartés un peu du sujet, mais il le faut par moment pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Alors, Maître Dao, comment la lune peut-elle influencer la vie d'un être humain, d'un individu, et comment utiliser l'énergie de la Lune positivement, utiliser positivement l'énergie de la Lune pour régler des situations de la vie. Je vais demander à tous nos téléspectateurs de chercher leur chaise quand il y a la Lune la nuit, de 22h jusqu'à, bon, je vais dire jusqu'à 2h du matin, de prendre leur chaise, c'est 5h de temps qu'il peut faire. Ils vont prendre leur chaise et prendre une bassine. Et mettre de l'eau dedans avec du sel. Restez concentrés, mettez vos pieds dedans, plongez. Et ce que vous voulez obtenir dans une année, tout ce que vous désirez avoir dans une année, regardez la lune, observez comme ça, tout concentré. Et faites vos voeux, et mettez des énergies. Dites tout ce que vous pensez, demandez ce que vous voulez, et vous allez voir que la lune, l'énergie, les énergies positives de la lune vont vous le faire accomplir. Ça, c'est mon premier truc. Deuxième truc, il faut que vous compreniez une seule chose, que votre enfant qui est venu au monde, il faut lui apprendre que la lune joue un rôle important dans ta vie. Parce qu'à ta naissance, on t'a présenté à la lune et qu'en invoquant ou bien en demandant à la lune, tu peux obtenir. Parce que tu comprends plus le langage de la lune en lui disant ce que tu penses. Moi, je regarde le soleil parce que je suis du feu, l'énergie du feu. Moi, je ne pratique pas la lune, je pratique le soleil. Et le soleil, chaque fois que j'observe le soleil, je dis ce que je pense et ça se concrétise. Quand j'ai envie de guérir quelqu'un, et que j'invoque ma main vers le soleil le matin, et je demande que cette main soit magnétisée. Le soleil pénètre ses mains et ça me permet d'enlever le sort négatif qui se trouve dans le corps physique de la personne et de le libérer. C'est comme ça aussi, tous ceux qui viennent me voir pour des bienfaits de la lune, je leur demande simplement les rituels que vous pouvez faire pour avoir la grâce de la lune sont multiples. Ça dépend de quel problème vous êtes. Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui est fatigué dans son dos, il n'a plus rien. Et dans sa vie, c'est que tout ce qu'il a, c'est que dans le colonne vertébrale, il y a ce qu'on appelle les chakras.
que ses chakras sont souillés et son aura est souillée, ses affaires sont bloquées. Pendant 7 jours, il fait faire un bain de lune. Bain de lune se fait de 22h à 0h. Bain de lune, c'est quoi? Bain de lune, c'est quoi? Et vous allez essayer de prendre une bassine d'eau que vous exposez de 20h jusqu'à 22h sous la rosée. Mais je vais vous dire que remettez quelque part, vous pouvez voir que la lune vous regarde. Vous avez l'image de la lune. Ou bien vous avez l'image de la position de la lune avec son étoile à côté. Ben, vous allez voir, la lune est de là, l'étoile est toujours de son côté. Petite étoile polaire, ça reste, c'est son capteur. Ils font un travail ensemble, vous avez compris. Ça arrive que l'étoile apparaît, la lune n'apparaît pas. Mais l'étoile est toujours là. C'est pour annoncer que bientôt la lune va venir. Donc c'est pour dire quoi? C'est comme le patron veut venir. C'est quand on vient d'abord respecter le lieu avant que le patron n'apparaisse. Donc c'est comme le chauffeur qui prend le sac de son patron qui attend avant de démarrer. Donc chacun vit de quelqu'un. D'accord? Donc quand vous voulez faire la purification de la lune, il faut faire seulement les 7 jours ou bien les 9 jours du bain de lune. Le bain de lune, vous ouvrez une bassine et que vous triturez qu'est-ce dedans et vous mettez ça sous la rosée de 20h. 20h à 22h, vous prenez votre bain et vous asseyez de 22h à 0h en regardant la lune. Parce qu'après le bain, vous allez vous asseoir et regarder la lune et mettre vos énergies. Vous êtes dans une maison à location, vous voulez changer votre position, vous voulez commettre une nouvelle maison, il faut invoquer seulement la lune et ça va vous donner les biens que vous manquez depuis des années. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'argent, qui n'ont plus rien. Ils ne cachent seulement feuille de laurier et exposer dans un plat, là où il y a la lune, garder dans la main et demander l'invocation de la lune dedans. Et faites ça en poudre fine, mettez ça sur la braise, les soirs de 22h. De 20h à 22h. 22h à 0, vous faites la méditation de lune et demandez que l'aura, votre aura soit baumée de soins positifs et des énergies positives. La lune va vous faire profiter. Et quand il y a clair de lune, il y a la pleine lune et qu'on voit par terre, c'est à ce moment qu'il faut faire le feu de la lune. Le feu de la lune est fait de 7 bougies. 7 bougies si c'est une femme, 9 bougies si c'est un homme. Vous faites le feu de la lune autour de votre chaise, vous êtes assis. Vous êtes dedans avec une bougie en main. Et vous regardez la lune. Vous faites, vous parlez d'un cercle. Cercle de feu. D'accord. Bon, je ne sais pas. Vous allumez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. 8, 9 bougies si c'est un homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies si c'est une femme. Et qu'elle est au milieu de la bougie ou des bougies. Et une bougie dans sa main pour montrer l'énergie témoin. Et il invoque la lune. Ramène la lune devant lui comme. Si la lune est devant lui comme une planète qui peut toucher comme ça, vous allez voir que du feu, avec la foi, hein, le feu va se transformer en lune badja. Et il va voir que la maîtrise de la lune est venue devant lui. Elle va sentir la présence, mais c'est la foi, hein, je dis la foi. Il invoque la lune, il n'a qu'à venir, il veut voir la lune vraiment. Et il a les yeux fermés et la lune va apparaître. Elle va apparaître, embaumée de lumière. Et il faut le faire toujours avec tissu blanc, assis sur une chaise. La meilleure prière se fait assis. Les meilleures méditations se font assis. On n'a pas besoin de faire du bruit avant d'avoir le bien. Le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit. Évitez de croire que vous êtes le nombril de la vie. Les gens ont déjà pratiqué ce genre de trucs avant moi et ils vont tout pratiquer après moi. Mais s'ils n'enseignent pas, ils ne sauront pas les vertus. Donc je demande à tous ceux qui m'écoutent tout de suite que la lune peut vous faire profiter tout ce que vous voulez dans la vie. La lune peut vous faire monter à un niveau high level. La lune peut vous faire monter à un niveau au haut niveau, le paroxysme. Donc si vous voulez avoir le bienfait de la lune, ça dépend, appelez-moi, ou bien appelez des initiés. Il y a plein d'astrologues au Bénin, appelez-les, ils vont vous donner des vertus, des rituels de la lune, et ça vous permet aussi de grandir. Ou bien appelez les musulmans, c'est eux qui connaissent beaucoup de sourates sur la lune. Les musulmans savent comment la lune peut donner le bonheur, la chance, la richesse, la prospérité, la protection à un être humain. Mais moi, Dao, j'ai compris cette chose que la lune fait profiter à un enfant nouveau-né, à un malade, celui qui est malade, à quelqu'un qui est vraiment sec financièrement, qui est appauvri, ou bien celui qui n'a pas de bon sens dans sa vie. La lune fait profiter à cette personne, c'est bien fait. Et quand vous voulez bien avoir les bonnes énergies, de très bonnes vibrations de la lune, il faut être positif. Il faut être sincère, il faut rester serein et la foi. La foi que vous avez en Jésus est la foi en la lune. La foi que vous avez en Mahomet est la foi en la lune. La foi que vous avez à votre tronc ou bien à votre goût, à votre, tout ce que vous vénérez est la foi en la lune parce que la lune peut vous transformer. Parce que c'est ce que vous ne voyez pas, mais qui est très loin de vous, que vous voyez, mais qui est très loin de vous.
Mais vous pouvez aussi invoquer ça et avoir. C'est comme le soleil. Tous les matins, moi, j'invoque, ma femme est là, je vais au balcon, j'invoque, je parle au soleil. Et je dis que l'éclat, tout ce qu'il a comme énergie positive m'éclaire. Et que je sois, qu'il soit mon bouclier. Partout, je pense que le soleil me couvre, que mon aura s'éveille comme le soleil. Que mon, comme il illumine le monde, il n'a qu'à m'illuminer aussi. C'est comme ça. Demander n'est pas difficile. C'est l'application de ce qu'on demande qui est difficile. Maître Dao, vous disiez tout à l'heure, il y a un instant, que vous, vous invoquez le soleil pardon, plutôt que la lune. Chacun doit savoir s'il est sous l'influence de la lune ou du soleil. Comment le savoir? Je prends la date de naissance d'un X ou Y en l'air. Je prends quelqu'un, une fille qui est née le 10 avril 2000. 10 avril 2000, en numérologie, ça fait 10 égale à 1. Avril égale à 4. 4 plus 1 égale à 5. 2000 égale à 2. 2 plus 5 égale à 7. Quand on prend l'énergie du 7, et quand on calcule le chiffre de la lune, on connaît. Le soleil, on connaît. Quand vous prenez le soleil, ça fait combien de chiffres? Lune, combien de chiffres? Et la personne est de chiffre 7. Vous pouvez déjà voir si l'enfant est du soleil et de la lune. C'est simple comme bonjour. Mais ça, c'est parce que c'est en langue française. Quand on prend la langue anglaise, par exemple, ce n'est pas la même appellation. La langue et les chiffres font les mêmes. La langue importe peu. Le plus important, c'est le nombre de chiffres qui se trouvent dans chaque nom. Le nombre de chiffres qui se trouvent dans ce qu'on sait. Par rapport au soleil, en anglais, ça donne quelque chose. Non. On peut voir les chiffres qu'il donne. Et l'enfant qui est là-bas, s'il est anglais... On lui a donné un nom anglais, on saura. Mais Dao, est-ce que c'est vrai que la numérologie va de pair avec l'astrologie? La numérologie, c'est la découverte des plus meilleurs hommes qui a permis au monde de prendre un vol. Mais ça ne va pas de pair avec l'astrologie. La numérologie à part, l'astrologie à part. J'ai dit que l'astrologie a échoué en Occident. Mais comme nous sommes des consommateurs, on en consomme bêtement ici et on ne sait pas les revers. Jusque-là, la numérologie n'a pas échoué. Jusque-là. Si ça a échoué, vous ne pouvez pas voir les téléphones et les chiffres bancaires. Prenez vos calculatrices et vous regardez les chiffres bancaires. Les calculatrices, c'est pas ça la numérologie qui fait que ça existe. Votre lunette est faite d'un monture, c'est la numérologie. La tablette, ce que vous avez porté, c'est la numérologie. Les ficelles, tout ce que vous avez eu, c'est des programmations. Ce que l'habit, là, c'est du coton bien tissé, c'est la numérologie. Donc la numérologie a pris le monde. Autant des aïeux où la pratique... de vénérer la lune existait. Est-ce qu'il y avait la numérologie qui était comprenait déjà les chiffres. Ils comprenaient déjà les chiffres. La numérologie existait depuis. Depuis même avant la naissance de tout un chacun de nous. Prenez, allez sur Google, mettez découverte de la numérologie, on vous dit que c'est depuis depuis les Grecs. Oui, au fait, je parle de notre société, la société africaine, notamment la société sur la numérologie. Sans la numérologie, la société ne peut pas fonctionner. Même si on sait qu'avant, on n'était pas tous allés à l'école. L'école importe peu, la numérologie existait depuis mes aïeux. Parce que l'école n'a pas révélé la numérologie, c'est la numérologie qui a révélé l'école. C'est grâce à la numérologie que les gens ont compris qu'il faut agencer les chiffres et les faire savoir au monde entier. Donc la numérologie est très importante dans la vie de quelqu'un. Et il faut croire que la numérologie est plus forte que l'astrologie. La numérologie est plus fort que tout. C'est grâce à la numérologie que le monde a pris corps et ça va toujours prendre corps. Mais l'astrologie, c'est juste l'incitation à la foi. L'incitation à la foi parce que les gens disent, moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas au jeu de hasard, par exemple. Parce que l'astrologie nous dit que tel jour, c'est ton jour de chance. Ça marche parfois, ça ne marche pas pour vous. Donc, c'est la foi en ce qu'on croit. Il y a des gens qui font l'astrologie qui sont heureux. Il y a des gens qui tiennent les masses jamais. Ça dépend de la foi que quelqu'un a, de ce qu'on lui dit. Quand moi, on récite l'astrologie, je vois que c'est comme météo. Mais après, on peut dire qu'il n'y a plus ici. Après, il peut ne pas avoir plus. Le météo a vu qu'il n'y aura plus. Les as, c'est comme ça aussi, les météos. Donc, ceux qui regardent les météos sont des numérologues, parfois, ou bien sont les astrologues. Parce que c'est des gens qui regardent l'as et de prédire ce qui doit se produire. Quand on choisit le moment pour parler à la Lune, par exemple, est-ce qu'il faut observer la forme de la Lune et modifier ce qu'on veut dire ou bien rien ne dépend de la forme? Non, le plus important, si tu peux regarder la Lune, la forme importe peu. La forme, c'est les nuages qui cachent la forme.
selon la lune, toute forme que ça présente, c'est les lumières qui cachent. Parce que ce n'est pas encore au premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier, pleine lune. C'est les formes, la forme importe peu. Le plus important, c'est l'apparition de la lune qui donne l'énergie dans la vie d'une personne. Et la lune apparaît. Ça, c'est le plus important. On peut manquer la lune ici à Cotonou. Et je vais aller en France et voir la lune. Je peux aller au Canada voir la lune. Je peux aller au Nigeria ici à côté. Et les gens de Cotonou n'ont pas ou les gens du Bénin n'ont pas la lune. Et que Nigeria, la lune est sur une forme, je regarde. Donc la lune fait la rotation de la Terre. La lune ne choisit pas le Bénin seul. La lune choisit le monde entier et il fait le parcours du monde entier. Donc les Chinois peuvent manquer la lune aujourd'hui et que les Bénins voient la lune. C'est comme ça, ça va faire la rotation partout autour de lui jusqu'à obtenir ce qu'il veut et reprendre encore sa forme. Donc la lune n'a pas, c'est pas sa forme qui importe, c'est le symbole dans la vie de l'homme qui donne effet à tout ce qu'on veut avoir. Donc ces différentes phases, que ce soit que la lune soit à la phase croissante, à la phase décroissante ou là c'est la pleine lune, est-ce qu'il n'y a pas des explications, des significations spirituelles? Ça a des significations, vous pouvez mais non, ça a des explications astrologiques, ça n'a pas des significations spirituelles. D'accord. C'est les musulmans qui regardent la position de la lune pour voir, parler de Malour, parler de Tabaski, parler de Carême, parler de tout, sinon les chrétiens. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, pour des prières, on entend certains spirituels dire il faut attendre telle position de la lune, par exemple, pour pouvoir adresser tes prières, peut-être à la nature ou à la lune. Et quand tu le fais à ce moment X, c'est directement, c'est un peu comme vous le disiez tout à l'heure, que pour certains rituels, vous attendez l'apparition de la lune, certaines positions de la lune avant de faire ces rituels. Et quand vous le faites, c'est que directement, ça s'exauce. Est-ce que c'est important d'observer également la position de la lune avant de faire certains rituels, certains exercices spirituels ou de faire des prières carrément? Si c'est pour la prière, la position importe peu. D'accord. L'apparition, si tu peux voir la lune et tu fais tes prières, tu auras ce que tu veux. Mais si c'est des qu'elle pratiques, soit en phase décroissante ou croissante. N'importe. Mais si c'est pour des rituels personnalisés, des rituels recherchés, que les parents ont pu faire leurs recherches, ça veut dire que tu dois venir à l'école de la personne pour qu'il t'explique. Parce que ce que ton école ésotérique n'est pas mon école, mais l'école de ce grand n'est pas mon école. Chacun de nous a fait son école à différentes connaissances. Ce n'est pas même professeurs qui nous ont donné cours, mais on parle français quand même. D'accord. Les diplômes aussi, c'est les mêmes personnes qui signent les diplômes, mais ce n'est pas la même école qui nous donne l'enseignement. Ton enseignement est divergent. C'est pour dire quoi? Si tu veux une prière de la lune, n'importe quelle position tu vois la lune parle et tu auras. De deux, il ne faut pas attendre qu'on te dise, bon, c'est en phase croissante, décroissante. Si ça vient à ce niveau, c'est parce qu'il y a un initié spirituel qui a compris te programmer sur cette position pour te donner ce qu'il a comme connaissance. C'est que je prends l'exemple d'un instructeur spirituel qui te dit en phase croissante, il faut faire tel rituel comme je viens de donner des recettes ici. Donc, seulement que vous n'avez pas, vous avez donné certes beaucoup de rituels, mais vous n'avez pas précisé oui, la position. La position importe peu, je l'ai dit tout d'accord. À l'heure. Le plus important, tes yeux ne voient la lune. Je prends l'exemple des gens qui ont perdu la vue. Les gens qui ont perdu la vue, on les fait voir quelque chose que rapidement. On les fait asseoir sur une chaise et on leur dit, il faut imaginer que tu regardes la lune. Et on met une bougie devant lui. La bougie, la personne qui a perdu n'importe quelle vue, il y a ce qu'on appelle notre troisième œil, qu'on appelle l'œil de la subconscience, l'œil de la lumière. Là, c'est ça qui nourrit les deux yeux-là. Mais l'œil de la lumière, si ça ne s'ouvre pas, la personne ne peut pas voir l'univers, ne peut pas avoir la grâce, ne peut pas avoir la bénédiction, ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle l'œil de guide, l'œil qui permet à quelqu'un de ne pas connaître l'échec ou de réussir. On appelle ça troisième œil. Troisième œil, c'est ça, notre œil de la subconscience. Donc, il faut qu'on trouve ça. Mais la personne, quand on a la bougie devant, la personne commence par dire, oui, je vois la bougie. Est-ce que tu vois? Je vois la bougie, même les yeux fermés. Et c'est cet œil qu'on va commencer par travailler avec cette bougie jusqu'à lui permettre d'enlever les voiles qui sont là. Et ces deux yeux vont commencer par mieux voir. C'est des exercices simples. Mais c'est au temps de la lune qu'on le fait. On ne le fait pas au temps du soleil. Non. Parce que le soleil ne peut pas supporter tant de passage d'une bougie. Ça va se fondre. D'accord? Parce que l'énergie du soleil est trop fort plus que l'énergie de la lune. La lune n'arrive pas à fondre, la lune éclaire. On éclaire de lune.
il y a clair, il y a la lune. Ce que vous n'avez pas vu, vous allez voir que la lune est inoffensive. Mais le soleil est offensif. Le soleil frappe parfois, ça touche les... Je suis allé au Sénégal, je sais quel soleil j'ai subi. Je suis allé au Tchad. Pendant qu'on parle du soleil, comment peut-on savoir si quelqu'un est sous l'influence du soleil? C'est pour ça que j'ai dit de faire la numérologie, le chiffre du soleil et le chiffre de la lune. La personne pense à date de naissance, il saura, il est dans quelle cible. Et sur le cible de la lune ou est le cible du soleil. Mais à la fin du calcul, est-ce qu'il peut arriver que le chiffre obtenu à la fin ne correspond à aucun chiffre ni du soleil ni de la lune? Non, ce n'est pas possible. C'est que la personne a mal fait. Ce n'est pas possible. Et ça peut correspondre aux deux en même temps? Ça peut correspondre aux deux. Et tu peux être gouverné par premier décan, deuxième décan. Tu peux aussi ne pas être gouverné par premier décan et être gouverné par deuxième décan. Ne pas être gouverné par deuxième décan, il peut être gouverné par le premier décan. Mais c'est parce que les deux énergies... Parfois, il y a des gens qui sont nés, par exemple, à 0h. 0h ou bien 1h du matin. La maman a commencé à 0h. C'est à 1h du matin que les morts moi. C'est que tu premier décan et deuxième décan sont les mêmes. Parce qu'il a fini un cycle, il est rentré dans l'autre cycle. D'accord? Mais les deux côtés, quand c'est comme ça, quand on fait les calculs, la personne, il est gouverné par les deux éléments. Parfois, ça peut arriver comme ça. Ça peut aussi arriver que la personne est née à 22h. Et c'est que c'est bien avant de pousser le premier cri qu'il est venu à 1h du matin. Et en ce moment-là, c'est en ce moment qu'on a su qu'un enfant est venu dans un corps. Parce que l'arrivée de la naissance d'une personne dépendant de l'énergie qui le laisse là où il va quitter. C'est la mort d'une personne qui donne la vie d'une personne. On aura le temps de venir parce que monsieur a souhaité qu'on reste toujours cadré. Oui. Quand il y a éclipse solaire, par exemple, oui. Est-ce que quelqu'un peut aller invoquer la puissance de ces... Quand il y a éclipse solaire, en principe, c'est en ce moment même qu'il faut faire débarrasser de soi tout ce qui est un peu sort négatif. On appelle ça révolution. C'est en ce moment qu'il faut dire tout ce qui est obscurité dans ta vie. D'accord, sorti. En ce moment où... Une sorte de confession, c'est exactement, ça? Exactement, confession. Parce que c'est en ce moment qu'on voit que le monde est devenu noir. Noir, et les nuages ont caché les zones, les rayons solaires. Mais on voit simplement que la lumière gravite autour et la lune est dedans, le soleil aussi s'attrape. Les étoiles sortent et aussi le soleil apparaît. Les deux sont ensemble. C'est en ce moment qu'il faut dire tout ce que tu as fait de mauvais. J'ai avorté une fois, Seigneur. Parce que c'est Seigneur que nous avons dit. Mais j'ai avorté une fois le soleil. J'ai avorté une fois la lune. Aujourd'hui, c'est un jour clé. Un jour symbolique. Je demande pardon. Je demande pardon à l'univers d'abord. Parce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure que vous n'avez pas compris, au fait. N'allez pas remplir les églises pour fatiguer les pasteurs, ni les prêtres, alors que vous savez qu'au fond de vous, vous avez commis des bavures, vous avez fait des trucs méchants, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sincère, mais vous allez juste pour ornement. C'est de ça que je parle. Il faut que vous compreniez que rester chez soi et être sincère, c'est d'être à l'église et d'être malsain. Tu as méprisé ton frère. Et tu vas à l'église pour aller regarder le prêtre pour dire, tu le déranges parce que le prêtre va prier, il va tout dire. Toi, ta vie ne changera jamais. Parce que toi-même, tu n'es pas en harmonie avec ce qui dégage, en fait. Parce qu'un prêtre, c'est un théologien. Un pasteur, c'est quelqu'un qui raisonne, qui demande à Dieu de travailler dans ta vie. Mais quand la personne prie pour toi et que toi-même, tu n'es pas connecté à ce à quoi il dit, comment tu peux avoir ce qu'il veut? Tu ne te confesses pas au prêtre pour dire, pas prêtre, je vous en prie, j'ai avorté, j'ai tué une fois, j'ai volé, je suis méchant, je suis aigri, je suis, tu ne dis rien. Et la personne te prie, si tu as malsainteté, quelle bénédiction tu veux? Comment vous ne parlez pas le même langage, comment vous pouvez vous attirer? C'est pourquoi je demande simplement, soyez sincères avant d'aller à l'église. L'église est un lieu de rencontre où nous allons tous partager le peu que nous avons et avoir la bénédiction de l'hierarchie. Bien d'aller dans un temple, dans une synagogue, il faut rester sincère en harmonie avec les énergies que tu veux aller rencontrer. C'est comme on va à la plage. Les gens disent que quand on va à la plage, on voit Mami Ata. C'est parce que vous avez créé dans votre tête Mami Ata. La plage, c'est là. L'univers a créé la plage pour qu'il reste à sa place. Pourquoi la plage ne dérange pas la terre? Parce que l'univers n'a pas voulu qu'il dérange la terre. La terre est à sa place, la plage est à sa place. La mer bouge,
Et quand l'avion avait piqué, il pique la vie autour de la plage avant d'aller descendre encore sur la terre. Donc je demande simplement à tous ceux qui m'écoutent, mais regarde, vraiment soyez sincères avec vous-même. Soyez en harmonie avec vous-même avant d'aller déranger n'importe quel faiseur d'opinion religieuse. Parce que Dieu, c'est vous. Le Christ, le Fils de Dieu, c'est vous. Et Dieu vous a créé à son image. Vous ne pouvez pas manquer quelque chose de Dieu. Mais tu ne travailles pas, tu veux avoir les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas possible. Le seul langage que Dieu comprend, c'est le travail. Et l'homme va manger au sueur de son front. Il faut travailler dur pour avoir une vie. Si Dangote disait Dieu, 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 il ne sera pas milliardaire. Dangote disait Dieu, mais il a ajouté travail. Il dit Dieu, aide-moi à travailler. Et évitez de demander l'argent à Dieu. Évitez de demander l'argent à la lune. Évitez de demander l'argent au soleil. Demandez le travail de transformer votre main en main pure. Que tout ce que vous touchez se transforme. En ce moment, la grâce divine viendra vers vous. Dieu n'est pas méchant, mais évitez d'être méchant et d'avoir la clémence de Dieu. La lune n'est pas méchant, le soleil n'est pas méchant, mais vous voyez au moins ces genres de choses. Il faut les vénérer, les vous invoquer pour avoir leurs bienfaits dans votre vie. Et il faut être reconnaissant. Parfois, on fait des offrandes à la lune. On fait des offrandes, on va déposer à un endroit clé pour que l'univers puisse accepter ton offrande. Si nous, on continue d'exister, c'est parce qu'on fait des offrandes. Et ces offrandes, on le fait, c'est l'univers qui consomme. Ce n'est plus autre personne. Mais on invoque une puissance plus forte, qui est plus supérieure à nous, qui est la lune et le soleil. Où est-ce qu'on dépose ces offrandes-là? On m'a porté le chercher à me voir, je vais vous montrer. Maître Dao, très rapidement, quand on prend deux personnes, ouais, d'accord, et que l'une, par exemple, est née à 1h du matin ou à 0h, pendant que la lune est en position croissante, ou en pôle position, la pleine lune, ou la lune est décroissante, et que vous prenez une autre personne qui est née en plein jour, par exemple à midi, à 13h, à 14h, est-ce que le fait que l'une soit née en pôle position de la lune et que l'autre en pôle position du soleil peut influencer sa vie, son existence sur Terre? Non. Très rapidement, parce non, que... Non. Ça ne peut pas influencer la personne. C'est juste la personne qui va expliquer. Parce qu'il faut déjà que vous dites à votre enfant, tu es né la nuit. Tu es né la nuit. Moi, mon enfant, ma fille, elle est née le jour. Il y a une fille qui est née la nuit. Et la maman lui dit, toi, tu es née la telle... Vous avez encore quelques secondes parce qu'on me signale que nous sommes déjà à la fin. À la fin. Donc, quand vous dites à votre enfant, tu es née la nuit, il va savoir que c'est la nuit qui peut faire ses prières pour obtenir sa grâce. Tu es né le jour. Il saura que c'est le jour qui va faire ses prières pour obtenir sa grâce. Mais si vous avez un enfant est né la nuit et qu'il fait la prière le jour, c'est sûr, ne marche pas. Il faut lui dire d'expérimenter la nuit pour voir dans la nuit profonde quand il va faire ses prières, il n'aura pas. Si quelqu'un est né le jour et qu'il fait sa prière la nuit, ça ne marche pas, dites-lui, demandez-lui de faire ses prières le jour pour voir si son énergie ne va pas s'évoquer. L'heure de prière n'existe pas. Il faut choisir juste son heure. Mais l'heure de votre vie dépendra de votre manière de fonctionner dans cette vie. Donc, demandez à vos enfants de rester toujours attachés à leur vie et restez toujours attachés à la lune et le soleil. Leur bénédiction sortira de là et nos difficultés vont finir dans notre vie. Merci, Maître Dao. Nous sommes au terme de cette émission. Nous aimerions rester un peu encore avec vous car nous avons encore beaucoup d'autres choses à apprendre de vous, mais ce sera un autre rendez-vous. Merci également à Aristide Kanosso qui a co-animé cette émission avec moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission spirituelle. Maître Dao, voyant, médium, maître spirituel, il était notre invité aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain à 21h pour un autre numéro de votre émission Au-delà du réel. Au revoir et que la bénédiction soit.